Salut les gars. Salut. C'est toujours Artus et Nico. Et aujourd'hui on est où? À Hoover Dam. Donc c'est le gros barrage ouais. Qui est derrière nous. Un peu dur à cacher là. Là je pense que la surprise était ruinée dès le début. Donc ça y est, on fait quand même une petite excursion. Parce qu'on en a un peu marre d'être toujours chez nous. Enfin, plutôt chez Angela du reste. Oui. Donc on en profite qu'elle soit pas là pour faire un petit tour. C'est pas loin de Las Vegas, donc on a une demi-heure de Las Vegas. Et donc c'est un énorme barrage des années 30 qui est méga visité. C'est un des trucs dont tout le monde parle à Las Vegas, qu'il faut absolument faire. Et on est venu sans Angela, sans notre copine Angela, parce qu'au moins elle va pas sauter. Elle est en pleine dépression, c'est un petit peu lourd, on est vraiment triste pour elle, tant que ça va aller, mais voilà, la moitié des repas, elle parle que de se suicider. Donc ça amuse beaucoup. Voilà. Donc on en profite tant qu'elle est chez le médecin pour faire un petit tour. Et vous voyez, c'est quand même pas mal. Ouais. La pierre est toute rouge, c'est quand même super beau. Je vais vous montrer un petit coup, hop. Oui, c'est super haut, hein, donc faut pas emmener les dépressifs ici. Sinon ça peut mal finir. C'est mes nouvelles lunettes de soleil. Parce que Scooby nous a mangé mes vraies lunettes de soleil. Ouais. Alors, peut-être qu'on vous explique un peu l'histoire de Scooby d'ailleurs. Oui. Donc alors, si vous avez suivi notre colocation gay au mois de novembre-décembre et la suite, notre coloc est en zonzon, vous savez que notre ancien coloc maintenant est en zonzon. Voilà, était en zonzon. Était en prison. Du coup, en fait, il avait un petit chien qui s'appelait Scooby et que Luna adorait. Ouais. Du coup, comme il est allé en prison, on nous a dit, les autres colocs nous ont dit, venez vite récupérer Scooby. Voilà, parce que personne ne s'occupe de lui. Prenez-le, il va être en prison pendant des années. Très bien, on prend nos billets en avance, on revient ici. Une semaine avant, on nous dit « Ah, bah finalement, il Steven est sorti. Est sorti. Il est sorti de prison, il est venu récupérer son chien. Tant pis, tant pis, tant pis. Voilà. Du coup, on part à Palm Springs. Vous avez peut-être vu des vidéos, il y aurait une vidéo X-Tube bien ouais. Chaude. Ça va être pas mal. Et une fois à Palm Springs, on apprend que Scooby est au refuge. Voilà, finalement, même s'il savait qu'on voulait bien s'occuper de son chien s'il pouvait plus, il l'a abandonné. Il l'a mis en gros à la SPA. Enfin, un truc un peu moins bien. Ouais, parce que c'est la police qui s'en occupe. Ouais, plus à la fourrière. Ouais. Et en fait, on l'a su juste parce qu'il a vraiment juste balancé le chien là-bas. Il a pas signé de papier pour le donner à l'adoption. Et du coup, ils ont essayé de le recontacter. Ils ont essayé de recontacter tous les gens qu'ils connaissaient. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a été mis au courant et que du coup on a un petit chien, voilà. Un petit saucisson noir. Il a été récupéré Scooby. Voilà. Le pauvre qui a été terrorisé. Il a été terrorisé ce pauvre petit chien. Voilà. Il a un an, il a déjà été abandonné trois fois. Voilà. Ouais. Vraiment pas une vie sympa. Donc maintenant il a une nouvelle famille. Il a une nouvelle famille, il va aller en France. Ouais. Ça va être la grande vie pour lui. Donc voilà. Voilà un peu. Bon sinon à Las Vegas pour l'instant, bah il y a eu le salon. Je ouais. Sais pas si vous avez vu des photos, il y avait des beaux modèles. Mais bon les salons c'est de moins en moins intéressant. Il y a de moins en moins de monde qui vient, qui se déplace. Mais bon, nous on a quand même lancé notre nouvelle collection. Ouais. Donc il y a plein de photoshoots qui vont sortir, mm-hmm. Ils sont assez sexy. Parce qu'on est assez sexy. Pam pam pam. Voilà. Et donc là on est avec notre meilleur ami, on habite chez notre meilleur ami. Voilà, mais qui est vraiment au fond du trou un peu en ce moment et c'est un peu lourd à gérer. Voilà, forcément on l'aide autant qu'on peut, mais quand on vient ici, nous c'est au contraire pour sortir de tout le stress et les ennuis qu'on a en France et au boulot, pour avoir une vie justement facile et simple, et là c'est tout l'inverse. Voilà. Du coup, faut toujours l'occuper, on en est à essayer de trouver le code de son coffre-fort pour cacher son revolver ou pas casser une balle, enfin, c'est un petit peu lourd. Voilà. Il est toujours dans le noir, que des rideaux occultants partout. Ça sent la piste de chien, lapin. Il fait 16 degrés, mais la clim sur 16 degrés. Donc on alors qu'il fait 30 ici. Hein. Ouais. Du coup, on a été malade les 3 semaines, on était là, on était malade, c'est que maintenant qu'on fait mieux. C'est pour ça qu'on faisait pas de vidéo, on n'avait pas de voix. Ouais. Donc ça a été, c'est un peu compliqué, donc c'est un peu chiant pour nous et de toute façon c'est très chiant pour elle, on veut pas que ça va s'arranger, on essaie de l'aider mais
Voilà, nous du coup, parfois de conséquent, on était un peu, on avait moins le moral aussi. Ouais, voyage un peu raté. Voilà, voyage un peu raté. Par rapport à celui de décembre, on a adoré, c'était génial, on était prêts à emménager ici. Là, on est presque prêts à rentrer en France. Et on vous a pas dit quand même, on a vu Mariah Carey en concert deux fois. C'était génial. Ouais, on a adoré. Le concert était génial, enfin elle était... La première fois, on était au premier rang, c'était elle incroyable. Elle m'a fait un coucou papillon. Ouais, on était vraiment à un mètre d'elle. Elle était juste incroyable. Devant nous en train de chanter My All, c'était incroyable. Ouais. Et en plus, le deuxième soir, qu'est-ce qu'il a fait après le deuxième soir, oui. Donc il y avait une soirée après pour la fin de sa tournée. Et du coup, bah, on y a été. Ouais. Du coup, on l'a vu encore, elle était quoi, à 2 mètres. Ouais, dans le poste de DJ. Voilà, c'était une heure là. Et il y avait une super ambiance, c'était que des fans de Maria. Ouais. Et du coup, c'était vraiment sympa. Donc on a passé une bonne soirée. Ça, c'était ouais, cool. C'était sympa. Ça, et puis on avait un pote de Floride qui est venu aussi pendant une semaine. Donc cette semaine-là, donc on a vu un spectacle sympa. De magie aussi. Ouais, un spectacle de magie. Donc on a vu un spectacle de magie aussi. Matt Franco, il a gagné America's Got Talent. Voilà. Ouais. Donc, la France a un nouveau talent. Un incroyable talent. Oui. L'émission d'Alex Good. Alex Good qui est à Las Vegas aussi. Oui, qui vient de lancer son nouveau spectacle. On va aller le voir d'ailleurs la semaine prochaine. Ouais. On va en parler. Pour l'instant, les critiques qu'on a entendues sont bonnes. Ouais. Donc, et on a rencontré son petit chéri. Ouais, qui est super sympa. Ouais. Qui a une bonne gueule aussi. Ouais. Bonne gueule. Mmh. Oh. C'est pas ça, des gars mariés. Bon, allez, on vous tient au courant. Les 15 derniers jours devraient être plus sympas, donc on devrait avoir plus de vidéos. Wouhou. Allez, on vous refait des bisous. Bisous, bisous. Voilà, donc le truc cool en fait sur le Hoover Dam, c'est que c'est la Colorado River qui passe là, et donc d'un côté c'est le Nevada, de l'autre c'est l'Arizona. L'Arizona. Et du coup, changement d'heure. Ouais, c'est pas la même heure. Ici on est en Arizona, il est 4h. On va se faire un petit goûter. Et juste là, une tour genre celle-là, c'est le Nevada, et il est 3h. Allez, on va gagner une heure du coup, parce qu'on vient de perdre une heure. Ouais, j'aime pas perdre une heure. On est en retard aujourd'hui, alors on va passer côté Nevada. Comme ça, on aura une heure de plus. C'est quoi ça, Nico? C'est des urées noires. Alors ça, pour tous ceux qui aiment les plans... Euro. Les plans d'étage, c'est le meilleur endroit, parce que là, faut rien cacher. Donc voilà. Enfin c'était... voilà les nouveautés en tout cas. Parce que ça fait du coup un moment qu'on n'a pas donné, comme on était un peu... Oui, on donne un peu jamais moins trop le moral. De nouvelles. On en avait un peu moins donné. Mais... Puis bon bah, ils préfèrent aussi les vidéos très gays ou sur des conseils pour se laver les fesses. Ouais. Faudrait faire sur un... une bonne fellation. Ouais. Normalement, en faire d'autres, hein, mais c'est pareil, parce qu'on n'est jamais tout seul du coup, qu'on est avec Angela, et du coup c'est pas évident pour faire tout ça. Parce qu'elle veut participer à tout, et on peut pas l'avoir dans toutes nos vidéos. Donc voilà. Mais bon, on profite. Voilà. On profite. Elle est partie une semaine pour des examens à l'autre bout des États-Unis, du coup. On revit. Voilà. Bon, bah, on va vous remontrer d'autres petits plans de Hoover Dam. Ça fait déjà 5 minutes. C'est déjà trop long comme vidéo, donc on va pas vous montrer grand chose en fait. De toute façon, c'est juste nous que vous vouliez voir. On espère en tout cas. Vous vouliez voir aussi un bisou gay, ça fait toujours plaisir. Hein, bon, hop, plus 3 likes. Mais plus 6 mois. Plus 6 mois, ouais. Bon, allez, on vous fait des bisous. Et avec Hoover Dam derrière, hop, hop. Bisous, voilà. Bisous. Ah, le photobomb de Hoover Dam. Bisous, bisous.